présenter bah, une belle histoire là, qui m'est arrivée il y a très longtemps. Et puis ça continue, c'est les grillons. Alors les grillons, ça fait rire beaucoup de gens, hein, moi le premier, hein, parce que hein, c'est pour marrant d'élever des grillons, pour nourrir les lézards, c'est très bien. Sauf que moi, les miens, bah, ils ne servent pas forcément à nourrir les lézards. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui sont pas mangés par mon lézard. Mais en fait, quand j'étais adolescent, quand j'avais 10 ans, je suis parti me promener sur une colline, et une colline sableuse, et puis j'étais à fond dans les insectes, les guêpes, les machins, les sangsues, enfin, tout ce qui était bizarre, tout ce que les gens disaient, bah, moi je prenais, hop, dans un bocal. Et mon père me parlait de grillons, ah les grillons, c'est sympa, oh mais j'ai vu un grillon, moi j'avais jamais vu de grillon de ma vie, je voyais à peu près à quoi ça ressemblait, une grosse sauterelle, machin. Et un jour, je me balade sur cette colline sableuse et j'écrase, je fais tomber un peu de sable et je vois une espèce de truc jaune et noir, machin, deux taches. J'ai dit, oh bon sang, c'est ça un grillon. Je prends ce grillon, je l'emmène chez moi, je mets un peu d'herbe, machin, et puis 5 minutes après, il se met à chanter. Oh, j'attrape un insecte, j'ai 10 ans, je mets dans un bocal, il chante. C'est quoi ce truc? Et ça a commencé comme ça. Puis j'ai lu des bouquins, je me suis renseigné à droite à gauche, tout le monde aimait les grillons. Oh les grillons, la Provence, c'est bien, machin, machin, machin. Et je me suis rendu compte que le grillon avait, grosso modo, globalement, une bonne image auprès du public. Et ça m'a intéressé. On a déménagé, je suis arrivé dans une cité, j'ai fait la connaissance de copains qui étaient d'origine vietnamienne. Et les Vietnamiens, et pas que, mais les Vietnamiens, ou une culture du grillon, entre autres, particulièrement intéressante et développée. Et ils m'ont appris que les grillons, chez eux, c'était sacré. Ils faisaient des concours, des combats de grillons, il y avait toute une activité, pour ne pas dire une économie, je n'irais peut-être pas dire une économie, je ne sais pas, mais en tout cas une activité, un intérêt auprès des grillons. Et c'est vrai que les Chinois, j'ai fait quelques recherches, les Chinois, considérer, et peut-être considère, j'espère encore toujours un petit peu, le grillon comme un porte-bonheur. Donc il faisait des petites cages de raies, dont certaines apparemment étaient très chères. Bon voilà, je suis nourri de toute cette fantasmagorie qui est basée sur du réel aussi, quand même, quelque part. Cet intérêt pour les grillons, et j'ai élevé des grillons quand j'avais 10 ans, jusqu'à l'âge de... Je pars vivre à La Réunion, jusqu'à l'âge de 16 ans. Alors avec plus ou moins de succès, parce que bah, les grillons, c'est pas si simple à élever. Il y a des règles. Ils ont un mode de vie particulier, ils ont une nourriture particulière, il y a des conditions particulières. Au début, tu te casses les dents, tu leur donnes de la carotte et de la salade, tu dis ouais, c'est bon. Puis au bout de deux mois, tes grillons, ils ont gros ventre, ils sont pas bien. Tu apprends qu'en fait, les grillons de chez nous, bah, il leur faut leur donner de la nourriture de chez nous, c'est-à-dire de l'herbe, du trèfle, du plantain, du pissenlit, donc le cœur des mères tous les jours. Une fois que tu as compris ça, bah, tu arrives à les élever correctement, mais après, ils sont territoriaux, donc il faut faire. Voilà, toute une histoire. Moi, je ne suis pas en train de lancer un élevage de grillons. J'ai juste pris un couple, Grius campestris. J'ai pris un couple que j'ai trouvé sur mon retour du boulot, voilà, au printemps. J'ai dit, je veux absolument réélever du grillon. J'ai pris un couple. Ce couple s'est reproduit, c'était logique, parce qu'il reproduit très bien. J'ai eu quelques dizaines, voire quelques centaines d'œufs. Il y a eu de la mortalité, c'est normal. Et finalement, les premiers bébés sont nés au mois de juin, un truc comme ça, je crois. Voilà. Et là, ben, ils sont quasiment à leur 8e mue, 7e, 8e mue. Il y a un groupe de 50, il y a un groupe de 5, qui étaient soi-disant les plus gros, mais les 50 sont en train d'attraper le groupe des 5. C'est mon petit kiff, voilà. C'est en fait le but de tout ça. C'est quoi? C'est d'avoir quelques champs de grillons au mois de novembre. Voilà, qui vont égayer un petit peu ma pièce, qui vont aussi faire du bruit, je vais devoir trouver une solution pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de bruit qui sort de la chambre. Et puis je suis passionné, je suis toujours têtu et je suis un psychopathe de la sélection et je me dis dans ma petite tête de linotte, et si je sélectionnais les plus gros, est-ce que j'aurais les plus gros grillons? Ce qui n'est pas sûr d'ailleurs. Voilà, donc une envie comme ça d'élever les grillons, je trouve des insectes très attachants. Je communique sur mon mur Facebook, notamment avec les grillons, je trouve que c'est sympa. Alors, au début j'avais 2 likes, maintenant j'en ai plus, peut-être une vingtaine, une trentaine, peut-être une douzaine, peu importe. Il y a des gens qui me suivent, j'aime bien parce que
On sort un peu de la terrario classique, machin, même s'il y a plein de choses sympas. Et je trouve que c'est aussi intéressant et aussi intelligent d'élever les grillons et d'observer les grillons que d'observer des pitons. Pour moi, c'est le niveau de plaisir, il est le même. C'est pas la même bête, c'est pas la même façon, mais le niveau du kiff. Moi, quand je vais chercher de l'herbe, j'ai la chance, j'ai un petit terrain, je peux trouver de la bonne herbe. Quand tous les jours, je vais cueillir des premiers grillons, je suis content. Je suis aussi content quand je nourris mes serpents. Voilà. Le but, moi, pour moi, le but ultime, c'est d'observer leur développement. Limite, quand ils sont adultes, c'est très beau, mais moi, ce que j'aime, c'est maintenant. Quand ils font leur mue, leur comportement, ce sont des insectes qui n'ont pas peur de l'homme, qui s'intéressent à l'homme. Il y a eu soi-disant des études qui ont prouvé que le grillon était capable d'une espèce d'intérêt pour l'homme. C'est-à-dire qu'il arrive à... Il n'est peut-être pas le seul, hein, les insectes, hein, mais il arrive quand même à comprendre que finalement, peut s'accommoder avec l'homme. D'ailleurs, il y a des grillons qui vivaient près des hommes, des grillons domestiques, hein, qui ont des appels domestiques, c'est pas pour rien. Ils sont aussi développés dans les endroits où l'activité humaine proposait de la chaleur, de la pollution, des détritus, des choses comme ça, qui permettaient aux grillons de se développer. Les grillons, c'est un peu comme les rats, sauf que les rats font peur, alors qu'ils sont adorables, mais c'est des animaux qui y a une proximité avec l'homme. Et quand on regarde un grillon, on regarde, il a une petite tête ronde, il a des petites manières, il est un petit peu belliqueux, je sais pas, on dirait un petit Marseillais désolé pour les Marseillais, on dirait un petit kéké là qui dit ah, attention, hein, moi je chante mieux, moi je suis plus beau. Voilà un homme en fait, voilà tout simplement, hein, un bon, voilà. Voilà, j'aime bien ce rapport un petit peu, je sais pas, c'est attachant. Je trouve très attachant les grillons, je trouve très beau comme insecte. Donc j'élève deux espèces, Grius campestris, le grillon de chez nous, qu'on trouve quasiment dans toute la France et une partie de l'Europe, je crois même qu'on en trouve aussi en Angleterre. J'ai eu un ami qui m'a fait l'offrande d'une vraie souche de bimaculatus. Parce que des bimaculatus, donc grillon à deux taches, grillon provincial, grillon des champs de Provence, enfin il y a plusieurs noms, c'est comme le grillon des champs, mais un petit peu plus long, un petit peu plus gros en largeur, mais peut-être plus petit, enfin, différence quand même. J'adore ce grillon également. Il est un peu plus sociable que le grillon des champs, en tout cas il y a moins de bagarres. Le problème, c'est que des grillons, des bimaculatus, on peut en trouver dans tous les magasins qui vendent des reptiles, ils vendent des bimaculatus. Ils sont dégénérés, c'est des animaux qui sont soumis à une production en masse, une production industrielle. Ben, moi qui ai connu il y a 20 ou 30 ans les vrais bimaculatus, notamment quand j'habitais la Réunion, quand vous voyez un mâle bimaculatus dans une boîte comme ça, hein, ils sont à 5 ans, le machin il est grand comme ça, ben, moi je suis désolé, des mâles bimaculatus, comme les femelles, ça fait 7 tailles, des vrais grillons. Et on n'en trouve plus, c'est normal, ça sert à nourrir les pogonas, très bien. On produit, on fait ça en chéquille, tac 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 tac, ça a grossi en 4 mois, en 2 mois c'est adulte, enfin... C'est la production, c'est comme les poulets qu'on mange dans les fast-foods, bah voilà, c'est du poulet, c'est pas du vrai poulet. Bah moi j'ai décidé de faire de la vraie souche de grillon, du vrai campestris, du vrai, du beau. Bon ça, du faux il n'y en a pas puisqu'il n'y a pas d'élevage industriel de campestris, c'est trop compliqué au niveau comportement. Et du vrai bimaculatus. Les bimaculatus qui sont là, c'est encore des bébés. Hein. C'est une souche qui vient de Marseille. C'est le vrai grillon de Marseille, le grillon marseillais, qu'un de mes amis Julien a eu la gentillesse de me dire « Oh, je te prends un serpent, alors qu'est-ce que tu veux en échange ?» Alors je lui ai dit « Écoute mon ami, moi je voudrais des bons grillons de Marseille, des vrais, ceux qui chantent là, qui sont avec le pastaga. » Alors il m'a dit « Ne t'inquiète pas, j'ai trouvé une femelle. » Oh la femelle, gars, elle est noire, elle est toute noire, avec la pointe derrière, elle est magnifique. Alors j'ai dit, hey, arrête de raconter, dégage les jades, et envoie-moi les œufs. Et les œufs, et les bébés sont arrivés, et voilà, ils sont là, les bimaculatus. Et ils vont devenir magnifiques. Les bimaculatus ont un instinct grégaire, très intéressant à observer, parce que selon qu'ils soient maintenus en petits groupes, ou en groupe plus important, les couleurs changent. Les bimaculatus qui sont maintenus ensemble en grosse quantité prennent des teintes rougeâtres, voire rouges. Ceux qui sont maintenus
de manière individuelle ou en petit groupe, n'ont pas l'instinct grégaire et vont devenir plutôt noirs. C'est une observation que j'avais fait à l'île de la Réunion. C'est une observation que j'avais lue quand j'avais 8 ans, que j'étais parti au muséum d'histoire naturelle du Louvre, où il y avait toute une planche. Vous vous rendez compte, un gamin de 8 ans qui adore les grillons, il se pointe au Louvre avec sa classe et il voit toute une planche sur le comportement grégaire des grillons. Mais moi, les autres, les élèves, les profs, mais j'en avais rien à faire. J'étais devant ma planche et j'imprimais tout ce que j'ai lu, tac, 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 tac. Et quelques années plus tard, quand j'ai vécu à La Réunion, je me suis dit, La Réunion, il n'y a que des bimaculatus. Il n'y a pas de campestris, tant pis. Il n'y a que des bimaculatus. J'ai pris les bimaculatus, j'en ai élevé individuellement, j'en ai élevé en groupe et je voyais le changement de couleur. Formidable. Et c'est ce genre d'expérience que je veux faire. Et puis c'est beau un bimac. Voilà, bon, je vous ai assez à saouler avec mes grillons. Vous avez compris, c'est quelque chose qui me fait totalement kiffer. J'aime bien, c'est pas cher à nourrir. Ça demande un petit peu de régularité parce que voilà, je vais pas m'épancher là-dessus parce que je suis pas assez. Aujourd'hui, je donne pas de conseils pour l'élevage de grillons pour la simple raison. J'estime ne pas m'y connaître suffisamment. Je fais des essais. J'ai quelques années d'expérience, mais c'est des années quand j'avais 10 ans. 10 ans, voilà, 10, entre 10 et 16 ans. Je me suis rappelé de certaines choses que je faisais, j'ai mis en pratique, ça fonctionne. Je vais essayer d'apporter d'autres choses. Quand je sentirai que j'aurai suffisamment d'expérience dans les bacs de grillons, alors je ferai un blog, probablement, ou un Instagram, je ne sais pas quoi, un truc. Ah. Et je ferai ma méthode. Je vais dire, voilà, j'ai les grillons, j'ai observé ça, je les ai mis comme ça, j'aurais donné ça, j'ai fait ci, j'ai mis telle température, machin, machin. Pour l'instant, si on me demande des conseils au téléphone, je vais dire voilà, moi je fais comme ci, comme ça, mais pour l'instant je tâtonne. Ce que je veux, c'est être capable de faire 3 générations de grillons issus de la même souche, de voir comment ils évoluent, comment ils vont, quels sont les problèmes que je rencontre, parce qu'il ne faut pas rêver, je vais en rencontrer des problèmes, et de voir après quelles sont les conclusions, qui soient fiables, sur lesquelles on peut communiquer. Voilà aujourd'hui, pour résumer, en fait, ma passion pour les animaux et les reptiles et tout n'a jamais été aussi forte que depuis que l'argent n'entre plus en ligne de compte là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui, par la force des choses, n'a pas été un choix de ma part. Il y a eu des choix à faire, je pense avoir fait des bons choix. Disons que l'arrêt d'une société fait que on est obligé de se poser des questions. On est obligé de comprendre et de se dire voilà. Est-ce qu'il y a une vie après une société? Est-ce qu'il y a une vie après un élevage de reptiles? J'avais un petit empire, ça se passait très bien, avec des hauts et des bas comme tout le monde, vraiment ça se passait très bien. Tout ça s'est écroulé en 2 ans. Qu'est-ce qu'il en résulte? Il en résulte 2 choses. Premièrement, moi, Richard Bijoux, je ne suis pas qu'un éleveur serial. On est ce qu'on décide d'être. À un moment donné, j'ai décidé d'être éleveur professionnel de serpents. J'étais très fier. Des merveilleuses expériences, puis ça s'est terminé. Et aujourd'hui, je travaille, je suis heureux, j'ai ma passion pour les reptiles, mais c'est un hobby. Donc je ne m'identifie plus là-dedans. Ce qui est terrible quand on est à son compte, et quels que soient les domaines, reptiles, mais le vigneron, l'artisan peintre, que sais-je. S'il ne fait pas gaffe, il a l'impression, c'est tellement facile, c'est tellement humain, de se dire, tout ce que je fais, c'est moi. Parce que quand on est dans une TPE, PME, une TPE, on apporte son âme, on vend son âme au diable, on travaille 15 heures par jour, et on a tendance à croire que tout ce qu'on bâtit, c'est soi. Et en fait, non, c'est qu'une partie, c'est une parenthèse de cette vie formidable qui nous est permis de vivre. Et donc, bah, cette parenthèse de société est terminée, qu'est-ce qui me reste? Ma passion. Ma passion. Je suis comme un gamin de 15 ans, avec toujours des envies de reproduire des serpents des blés, mais si ça rate, c'est pas grave, il n'y a pas d'enjeu. J'ai des grillons, j'ai des réticulés, je les donne. Les mecs, ils me disent, ouais, tu sais, ça vaut 500 euros. Mais j'en ai rien à foutre. De toute façon, vous les avez pas les 500 balles, je vais pas vous les demander. Je demande est-ce que les gens aient des agréments, et je les place. Voilà. Et c'est formidable de pouvoir, quand on peut, bien sûr, parce que quand j'avais pas de boulot à côté, j'étais obligé de vendre des serpents. Là maintenant, j'ai un travail, voilà, qui me plaît, pour que ça dure, voilà. Et aujourd'hui, voilà, je vous présente mon univers, qui est un hobby. Il n'y a pas d'enjeu, j'ai rien à prouver. Moi, je m'en fous, qu'on m'aime pas.
rien à faire, j'ai rien à vendre. Voilà. Avant, quand j'avais quelque chose à vendre, alors ça me plaisait de le faire, mais j'avais le devoir d'être irréprochable. Aujourd'hui, je suis irréprochable au niveau de la loi, parce que je respecte, voilà, j'ai des agréments, j'ai tout, machin. Mais si je dois dire merde à quelqu'un, et s'il y a quelqu'un un jour qui dit « Oh, il est pas gentil, Richard !» Ah non, il est pas gentil, non. Il est comme toi, quoi. Il est con comme toi. Voilà. Donc, je suis libéré de tout ça, et c'est avec encore plus de plaisir que je vous accueille et que je vous parle de mes passions, qui sont toutes simples. Moi, il n'y a pas de première mondiale, il n'y a pas de machin. Il y a mes petits trucs de gut, il y a mes petits grillons, mes petits réticulés, voilà, cette petite cerise sur le gâteau, les bébés. Et puis, j'étais heureux de vous montrer tout ça. J'étais heureux, et puis bon, si t'as encore un petit mot à dire, on va se faire le mot de la fin après. Mais en tout cas, c'était, c'est mon univers, et qu'on a tous les deux avec Lucas, on a décrit vraiment un petit peu ce que je vis aujourd'hui, voilà, ma pièce. Il n'y a plus de Columbia Steaks, il n'y a plus de Columbia, il y a Richard Dijoux qui aime les animaux, et qui a son petit délirium, voilà. Et voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à commenter la vidéo. N'oubliez surtout pas aussi d'aller voir le groupe Aquanimaux France sur Facebook avec leurs partenaires. Le lien est en bas dans la description. Moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez surtout pas, la terrariophilie c'est une science, les reptiles une éternelle source de savoir. Allez tout le monde,